À Stockholm, la capitale suédoise, qui est aussi la ville natale d'Alfred Nobel, le fondateur du prix Nobel, une nouvelle exposition vient d'ouvrir ses portes afin de présenter les portraits des lauréats de cette année. Parmi eux, la scientifique chinoise Tuyoyo. Une citoyenne chinoise fait partie de la liste des lauréats du prix Nobel de cette année. Tuyoyo est la 12e femme à avoir jamais remporté le prix Nobel de physiologie ou de médecine depuis qu'il a été créé en 1901. Avant la cérémonie de remise des prix, tout s'est rendu au musée Nobel à Stockholm afin de signer la chaise numéro 69 du café du musée, conformément à la tradition qui veut que tous les lauréats du prix Nobel en signent une. Jusqu'à présent, le musée qui a ouvert en 2001 a récolté plus de 230 signatures. Nous avons ces chaises dans le musée. Nous laissons tous les lauréats du prix Nobel les signer lorsqu'ils viennent ici. Donc si vous allez au café pour commander un café ou un thé et que vous retournez votre chaise, vous trouverez un autographe. Dimanche, tous les lauréats de cette année sont venus et Tuyoyo a signé celle-ci. L'exposition comporte une donation de Tuyoyo au musée. Il s'agit d'un livre chinois sur l'artémisinine publié dans les années 70. Peu de membres de notre personnel sont capables de lire le chinois, mais certains d'entre eux ont étudié la langue et y parviennent. Il y a 2 ans, lorsque Mo Yan a reçu le prix Nobel de littérature, il nous a fait cadeau de ses œuvres complètes en chinois. Avec tous ces ouvrages à disposition, nous avons de quoi apprendre la langue. Cette exposition offre l'opportunité d'en apprendre plus sur le prix Nobel et son fondateur, ainsi que sur ses lauréats et leurs projets novateurs. Plus de 800 lauréats se sont vus remettre le prix Nobel. Chacun d'entre eux est présenté au moyen de son portrait et d'une citation.